Nicolas Berdieff écrivait « La personne est l'antinomie incarnée de l'individuel et du social, de la forme et de la matière, de l'infini et du fini, de la liberté et du destin. » Oui, ça commence bien, c'est bien une phrase de philosophe, mais pas de panique, puisqu'encore une fois dans cette vidéo, on va parler de vous et de vous comme personne. Salut à toi petit penseur, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de la web-série Charisma de la chaîne YouTube de l'Université catholique de Lyon. Alors pourquoi parler de ce concept de personne? Tout d'abord parce que nous ne savons plus très bien ce que c'est, mais a-t-on vraiment su ce que c'était un jour? Mais surtout, il s'agit d'un terme pour penser l'humain, qui ne lui est pas propre. Il provient de concepts théologiques pour penser le Dieu des chrétiens à l'origine, et aujourd'hui, nous ne savons plus si nous devons le réserver seulement à l'être humain. Mais pourquoi pas à nos chats, nos chiens ou nos belettes, ou même encore un jour, qui sait, aux machines anthropomorphes. L'étymologie latine du mot « personne » est elle-même contestée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle renverrait au masque de théâtre que revêtaient les acteurs, le prosopone en grec. Le mot latin « persona », lui, viendrait de la béance de la bouche des masques à travers lequel passait le son de la voix « personare ». Le mot « persona » désigne ensuite, petit à petit, l'acteur lui-même derrière le masque et le personnage joué par ce même acteur. Dès le début, donc, on retrouve deux idées. La première, c'est que la personne désigne un rôle, une fonction dans la pièce et donc une place particulière. La seconde idée, c'est que la personne s'exprime à travers sa voix, sa parole, et que donc elle se révèle par ses dires et ses actions. La personne, chez les Romains, devient progressivement une notion juridique pour distinguer celui dont la fonction est d'avoir certains droits à par opposition au droit des choses, au droit aux choses, ce à quoi une personne a droit ou non. La personnalité juridique est donc un sujet, comme nous allons y revenir. Mais en tout cas, outre la dimension juridique, on trouve un premier aspect éthique, moral, à la notion de personne. Mais le concept de personne que nous avons aujourd'hui est aussi hérité de la religion chrétienne. Plus exactement, de la pensée de la Trinité de Dieu, le fait qu'il soit unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Attention au virage, je vais faire d'énormes raccourcis. En reprenant une idée de Porphyre, philosophe néoplatonicien qui n'était pas chrétien, du 2e siècle après Jésus-Christ, on commence à concevoir l'idée de personne comme équivalent à celle d'hypostase, du grec hypo, dessous, et stasis, ce qui demeure. La personne, c'est ce qui demeure dessous. Mais dessous quoi ? Derrière toutes les qualités dites « accidentelles » qu'on peut attribuer à une personne, être chauve, assis, jeune, vieux. Accidentelles parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour définir la personne, elles ne sont pas essentielles. Porphyre parle ainsi de singularité substantielle, c'est-à-dire que la personne, c'est ce qui rend unique tel être, tel individu. Rien d'étonnant alors de voir qu'au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, philosophe et théologien brillant, aille jusqu'au bout de la logique pour faire définir les personnes divines comme des relations substances. En effet, il ne saurait rien y avoir d'accidentel en Dieu, donc tout en lui est nécessaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des masques qu'il revêt selon son bon plaisir, mais des relations éternelles, de toujours à toujours, qui disent qui est Dieu. Ce qui fait qu'au départ, on utilisait le mot « personne » pour parler de l'être divin et pas d'abord de l'humain. Mais il reste qu'à partir de là, le concept de personne implique celui de relation. La personne, ce n'est plus uniquement une substance individuelle, mais un être relationnel. Un être qui, tout en restant vraiment lui-même, se donne. Avec le philosophe Pierre Gire, qui enseignait dans cette maison, on peut aller encore plus loin et distinguer trois niveaux pour penser l'humain. L'être humain comme individu, l'être humain comme sujet et l'être humain comme personne. Ces trois niveaux ne sont pas à séparer, mais à conjuguer les uns avec les autres. Pas de personne sans individualité ni subjectivité, pas d'individu vraiment épanoui sans sa dimension personnelle, pas de subjectivité qui n'aboutisse sans relation personnelle. Le premier niveau, l'individu, désigne l'échantillon de l'espèce humaine indivisible pourvu de certaines caractéristiques qu'il n'a pas nécessairement choisies. C'est de cette unité de base dont on parle en sociologie par exemple.
Le deuxième niveau, celui du sujet, renvoie à l'idée de conscience, c'est-à-dire au fait que lorsque nous agissons ou pensons, nous avons toujours un rapport à nous-mêmes, un rapport à soi. Nous voyons que, d'une certaine façon, nous sommes à l'origine de nos pensées et de nos volontés, donc de nos actes. Nous sommes sujets de l'action. Lorsque j'agis au sens plein, je sais que j'agis et je me vois en train d'agir, je me vois agissant. Pour être une personne, il faut donc que je sois d'abord un sujet, un être qui pense et dise « je », qui se situe à l'origine de ses paroles, de ses pensées et de ses décisions. Un sujet qui se dise dans tous les aspects de sa vie. Pour cela, il faut que je me situe au-dessus de la mêlée, au-dessus de ce que les autres attendent de moi de manière mimétique, par imitation. Il faut que je me positionne et en ce sens, il faut que je m'affirme comme être unique. Quand je m'interroge, comment se fait-il que je me représente le tout des représentations ? Je m'élève moi-même au-dessus de la chose représentée. Je deviens par cette question même un être qui, eu égard à la chose représentée, se sent originellement un libre qui voit au-dessus de la série des représentations. Par cette question, je sors de la série, dans la mesure où je suis libre, en m'élevant par la question au-dessus de la série, et je demande comment cette connexion est devenue possible. Je ne suis plus ni chose, ni objet. Ce que décrit Schelling, c'est que je suis toujours plus que ce que je suis à l'instant T. Je suis plus que mon histoire, plus que mon passé, plus que mes erreurs et mes fautes, mais aussi plus que mes succès et mes réussites. Il y a en moi une puissance de distance, de non-coïncidence, ça ne matche pas tout à fait, qui fait signe vers l'aspect créatif de ma personne. Quel que soit mon passé, je ne peux le renier, mais je puis toujours entreprendre à nouveau, recommencer, repartir, redémarrer, même après l'échec. Comme le dira Hannah Arendt, ce qu'il y a de grand en l'homme, c'est qu'il est capable de commencement. Mais la seule conception de la subjectivité risque à la fois de figer l'être humain dans une fausse unicité ainsi que de ne pas mettre l'accent sur l'aspect personnel de son être. Le sujet, ainsi défini, repose sur l'individu et pourrait être interchangeable avec un autre sujet. C'est pour cela que l'individualisme confine à une forme d'imitation des autres, par mimétisme ou conformisme. C'est Emmanuel Mounier, fondateur au XXe siècle du mouvement appelé personnalisme communautaire, en prenant cet exemple, la personne n'est pas un objet, elle est même ce qui, dans chaque homme, ne peut être traité comme un objet. Voici mon voisin. Il a de son corps un sentiment singulier que je ne puis éprouver, mais je puis regarder ce corps de l'extérieur, en examiner les humeurs, les hérédités, la forme, les maladies, bref, le traiter comme une matière de savoir physiologique, médical, etc. Il est fonctionnaire et il y a un statut du fonctionnaire, une physiologie du fonctionnaire que je puis étudier sur son cas bien qu'il ne soit pas lui tout entier et dans sa réalité compréhensive. Il est encore, de la même façon, un Français, un bourgeois ou un maniaque, un socialiste, un catholique, etc. Mais il n'est pas un Bernard Chartier, il est Bernard Chartier. Les mille manières dont je puis le déterminer comme un exemplaire d'une classe m'aident à le comprendre et à l'utiliser, à savoir comment me comporter pratiquement avec lui. Mais ce ne sont que des coupes prises chaque fois sur un aspect de son existence. La personne, c'est donc en chacun de nous ce qui ne saurait être réduit à un des différents aspects de mon individualité. La personne, c'est ce qui est le cœur en moi de ma liberté et qui ne se résume ni au déterminisme ni au conditionnement qui la traverse. Certes, la personne n'a pas une liberté absolue qui nierait son histoire ou son passé, ses caractéristiques ou les situations dans lesquelles elle est immergée, mais une liberté créatrice à partir de tout cela et qui se lie à d'autres personnes pour devenir toujours plus elle-même et en même temps se donner. On dit souvent de la personne qu'elle est un mystère, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'aura jamais fini de comprendre. Alors on pourrait trouver cela un peu facile, mais cela montre bien cependant le fait que l'on dit mieux de la personne ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est. C'est la puissance du négatif qui s'exprime dans le fait que l'esprit humain transcende, dépasse tout ce qui le traverse et qui fait que c'est bien nous qui pensons, agissons, mais aussi subissons et souffrons et pourtant que nous ne sommes jamais que cela, que nous sommes toujours plus que ça. Le même Pierre Gire écrivait « La personne n'existe que dans le monde des personnes. Elle est immédiatement intersubjective, autant dire relationnelle par les dynamismes de la chair et de la spiritualité qui la composent. Parce qu'elle n'appartient pas à l'ordre des êtres,
dépourvue de spiritualité et des choses, elle a sur l'univers de ces êtres et de ces choses une suprématie inaliénable. À cette irréductibilité s'origine son mystère et sa responsabilité dans le cosmos. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité, merci beaucoup pour votre soutien. C'était toujours un plaisir de vous accueillir sur cette web-série. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de penser.